Bonjour et bienvenue dans un petit vlog skincare. On est samedi, c'est le week-end. Et je vais te montrer toutes les étapes que je fais quand j'ai le temps de prendre soin de ma peau. Attends, il n'y a pas les lumières allumées derrière. Enfin, YouTube besoin carton qui allume pas ces petites lumières. Je suis sur mon canapé depuis ce matin à écrire ma fameuse formation dont je t'ai parlé dans mon dernier weekly vlog qui s'est terminé pour moi hier. Je te mets le lien du weekly vlog en barre d'infos si tu sais pas de quoi je parle. J'avance très très bien. Vraiment, je suis très optimiste. Je pense qu'elle peut sortir mi-avril. Stay tuned si tu as besoin d'un peu d'aide pour organiser ta vie ou pour organiser tes études ou pour organiser la rédaction de ton mémoire. Avril, j'y crois. J'ai les dents un peu jaunes parce que je bois du curcuma latte et je vais te montrer toutes les étapes de mon skincare, que ce soit le matin. Donc là maintenant je fais ma routine énorme le matin, le soir je fais le minimum et je te montrerai aussi ce soir en rentrant de soirée comment je me démaquille, tout ça tout ça. Je commence tous les matins par cet hydrolat de laurier fait maison qui m'a été offert par une amie et il faut que je le termine vraiment, il est au frigo et tout, ça dure pas longtemps les hydrolats, donc je m'hydrate le visage avec ça en me réveillant le matin. Je garde deux produits au frigo, c'est les premiers que j'utilise le matin, donc l'hydrolat de laurier pour m'hydrater un petit peu la peau, me la réveiller. Je vais te parler d'énormément de produits dans cette vidéo. Je n'ai pas du tout la foi de tout ce qui est listé dans la barre d'infos. Je vais te dire les noms précisément et te montrer les emballages. J'utilise les masques pour les yeux Beautify de la marque Pixie. Je les voulais depuis une éternité et Léo me les a offerts à Noël. Ils sont juste trop trop bien. Petite spatule pour pas mettre tes doigts dans les masques. Voilà, c'est bien protégé. Moi vraiment j'adore. C'est plein d'un sérum, c'est tellement juicy, j'adore. Et tu vois, tu sors un patch comme ça. Là, je vais m'en mettre un de chaque côté, évidemment, un pour chaque œil. Et je vais les laisser poser une heure minimum. C'est mieux de le faire devant un miroir, hein, clairement. Là, t'es loin en plus, je t'ai zoomé. Donc je vois pas très bien ce que je suis en train de faire. Je vais le faire devant un miroir. Et voilà, ils sont posés, vu qu'ils sont extrêmement hydratés, ils glissent pendant les premières minutes, mais du coup ça me fait plein de sérum que je mets sur le reste de mon visage et puis petit à petit, vu qu'ils vont commencer à sécher, ils vont tenir plus et je les laisse une bonne heure, hein, clairement. On est sur un traitement extrêmement riche et bon pour les yeux, donc vu que je suis à la maison, je les laisse poser hyper longtemps quoi. Allez, allez, on fait le taf. Pendant que ça pose, je voulais te parler de ce qui m'a motivée à faire ce vlog. C'est Green Meo. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Vraiment, elle est détente. Mon principe, c'est qu'elle soit toute douce. C'est juste qu'en fait, Green Meo, tu sais que j'ai une relation hyper particulière avec elle, avec cette boutique. Green Meo, c'est une boutique belge en ligne, tenue par Daphné, une fille géniale, qui vend des produits vegan faits en Europe, au maximum bio et zéro déchet, et c'est que de la qualité, enfin c'est un truc de ouf quoi. Et en fait c'est mes tout premiers partenaires. Green Meo c'est mon tout premier partenaire, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert mon auto-entreprise en juillet 2018. Daphné m'a écrit et m'a dit voilà, j'aimerais beaucoup collaborer avec toi sur une vidéo YouTube. Et je me suis dit waouh, c'est possible. Hein, tu vois, j'ai d'un coup le monde des partenariats s'est ouvert à moi en juillet 2018 et après j'en ai pas eu pendant super longtemps, mais Daphné de Green Meo croyait en moi, tu vois. Et bref, du coup cette collaboration existe depuis juillet 2018 et il se trouve que je discutais avec Daphné comme ça, on se donnait des nouvelles et elle m'a dit mais au fait, tu sais que ton code il est affilié, t'as des sous qui t'attendent dans ton compte quoi, sur ton compte. Et en fait j'avais complètement zappé le fait que mon code était affilié et que j'avais des sous qui tombaient avec, en fait à chaque commande que tu fais avec mon code LOOPCH10 je touche 5%. Si tu achètes 100€ de produit je touche 5€, donc vraiment moi j'étais en mode mais ce code il est affilié parce qu'elles sont sympas, elles me filent une petite commission, mais en réalité enfin voilà je touche rien quoi. Et donc j'ai complètement zappé ce code pendant je pense franchement la dernière année et demie facile. Et donc Daphné me dit mais tu sais que t'as 150€ sur ton compte en fait qui sont pas utilisés. Et je me suis dit mais c'est un truc de fou à quel point j'ai oublié quoi. Moi je présente le code de Green Meo mais vraiment parce que j'y crois profondément à cette boutique et je veux qu'elle réussisse.
mais jamais je réfléchissais au fait que j'ai des sous derrière. Et c'est pas vraiment des sous en fait, c'est un bon d'achat pour Greenmeo derrière. C'est pas des sous que je touche vraiment, c'est des sous que je peux dépenser sur la boutique. Donc tout ça pour te dire que eh ben, j'en ai profité et je me suis acheté 150 € de produits sur Greenmeo. Et j'ai envie de te les présenter parce que je te jure, je reçois énormément de colis moi avec mon travail. Là, juste cette semaine, j'en ai reçu 5. Après, il y en avait un de Vinted, c'était mes chaussures de rando. Mais j'en ai quand même, tu vois, j'en reçois beaucoup. Et bah, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi excitée pour un colis parce que vraiment, mais j'adore quoi. Bref, je vais te montrer les trucs, mes favoris que j'ai rachetés qui étaient encore sur la boutique parce qu'il y a pas mal de trucs qui étaient plus. Déjà, j'ai acheté 2 sérums à l'acide hyaluronique de Clémence et Vivien. Qui sont vraiment géniaux, ils coûtent que 9 €, ils durent une plombe, je te parlerai après de celui que j'utilise actuellement et à quel point genre ça vaut pas ce que c'est quoi. Vraiment ce sérum c'est une pépite, du coup j'en ai commandé 2, comme ça j'ai des stocks. Ensuite un autre essentiel c'est les sels de bain de la Roca Cosmétique, le Chariot, qui a un bain pour les articulations au Golteri. Le Golteri c'est génial pour la détente musculaire et moi j'en ai besoin parce que je suis toujours très tendue. Oh, ça sent tellement bon, mais le Golteri, mais c'est... Oh là là, magnifique ces selles de bain. Vraiment, les selles de bain de la Roca Cosmétique, une pépite. Autre produit essentiel, c'est une recharge. C'est la recharge de l'huile pour les lèvres de Zao Cosmetics. Donc j'ai un petit tube en bois qui en fait est réutilisable. Et dedans, tu enlèves le petit emballage plastique et tu remets le nouveau dedans. Et comme ça, l'emballage en bois, enfin, je te montrerai un jour. J'ai racheté la recharge, c'était la dernière en stock. Et ma pauvre Sandra qui en voulait une, j'ai essayé d'en mettre 2. Au revoir soleil. Non mais je t'en prie, déjà j'ai l'air livide. C'est super sympa de m'enlever tout espoir de ressembler à quelque chose. Bref, j'ai essayé de faire une surprise à Sandra et de lui en prendre une deuxième, mais il n'y en avait qu'une en stock et j'ai eu la dernière, c'est vraiment un signe du destin. Et je la garde pour moi, oui, parce que c'est vraiment un de mes produits préférés et je... voilà. Je l'offrirai peut-être à Sandra, je la trouverai ailleurs, peut-être que Greenmeo fera peut-être un restock, mais je crois pas, Zao je crois que c'est fini pour toujours. Voilà, je lui offrirai à un autre moment. Et en termes de favoris, c'est tout. Après, j'ai acheté que des produits nouveaux. Ah non, non, pas vraiment. Daphné m'a mis des chocolats dans ma commande. Deux choses encore. C'est pas. En fait, c'est les marques que je connais. Donc, j'ai pris un grand baume au calendula de Beauty Garden, 125 ml. Moi, je l'ai utilisé pour le visage. Daphné de Greenmeo m'avait glissé un échantillon dans ma commande plusieurs fois. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai commandé le plus gros tube parce que je pense vraiment que ça peut être super pour une crème nourrissante pour le visage. Voilà, donc je suis très contente. Et l'autre chose essentielle que j'ai prise, c'est l'huile d'Oden. Donc l'huile d'Oden, moi celle que j'avais avant c'était à la Mirabelle. Et je me suis dit que j'allais changer, que j'allais en prendre une qui correspondrait un petit peu plus à ce dont j'ai besoin. Et du coup t'as genre plein d'huiles Oden et tu peux vraiment savoir laquelle te correspond le mieux grâce aux descriptions. Parce que là sur Oden il y a juste marqué tout type de peau, mais les descriptions de Margot expliquaient pourquoi la pomme me convenait plus que la Mirabelle. Donc j'ai pris la pomme et vraiment ça a été mon huile pour le visage pendant 6 mois. Si tu suis mes produits terminés tu le sais. Et j'ai été tellement triste quand elle s'est finie, donc là j'ai acheté la pomme. Et ça va dès ce soir sur ma table de nuit et je vais l'emporter avec moi en vacances. Enfin vraiment c'est ce que je mets le soir sur mon visage et c'est tout quoi. D'ailleurs je la sors pour la mettre pour ce soir. Parfait. Alors après c'est que des trucs nouveaux. J'ai eu des cadeaux. Daphné m'a mis des cadeaux dans ma commande, trop mignonne. Elle m'a mis un savon Be Happy qui est à l'orange et à la cannelle. Et c'est parfait parce qu'on commençait à plus avoir de stock de savon, donc c'est très bien. Et un petit baume à lèvres aux fruits rouges de Andro. J'ai bien envie de l'essayer. En même temps j'ai mes ongles et pour ce genre de packaging avec les ongles c'est super compliqué. Parce que c'est vraiment, tu vois, faut vraiment pouvoir mettre... Oh, en fait je peux pas là, je peux juste... Ah si je peux mais faut faire très très attention. Sinon ce que je fais c'est que je prends avec mon petit doigt et je racle comme ça avec l'ongle. Et je pense que je vais pas y toucher et que je vais le garder pour être sûre qu'il dure longtemps. Parce que je sais qu'à partir du moment où je mets mes doigts dedans, ben voilà, c'est râpé. Quoi d'autre? J'ai pris un déodorant en roll-on. L'emballage en verre m'a fait kiffer. Le fait que ce soit au citron m'a fait kiffer. Voilà.
C'est tout simple, ça fait très longtemps que j'avais pas de déodorant en roll-on. Je cherchais un soin contour des yeux et il n'y en avait pas sur Rimeo. Mais par contre j'ai trouvé ce soin anti-fatigue, donc c'est un masque anti-fatigue de Akan pour les yeux. Akan, je suis archi fan, il y a genre un produit qui m'a déçue pour l'instant, vraiment. Sinon mon nettoyant visage préféré c'est Akan. Et du coup c'est un masque pour le contour des yeux. Donc tu le mets, tu le laisses poser 5 minutes et après tu le rinces. Donc ça te promet d'atténuer les cernes et les poches et de lisser les ridules. Et ça me va très très bien, c'est ce dont j'ai besoin. Le problème de mon contour des yeux c'est que j'ai vraiment des cernes très prononcées depuis toujours. Ça s'appelle donc le masque smoothie de Akan. Ça aussi ça peut aller au recyclage. Oui, il y a les infos derrière, très bien. J'ai pris ce mini des Apicuriennes tout simplement parce qu'il était à 50%. Voilà, donc c'est un soin pour peau normale à mixte des Apicuriennes que j'ai beaucoup aimé quand j'ai testé. Vraiment génial les Apicuriennes, donc je te fais, déjà c'est fait en France, formulé à froid, actif vivant, plante du sud-ouest et sans huile de palme. Donc voilà, c'est trop bien. Et je vais l'emporter pour mes 2 semaines de voyage, ça fera ma crème pour les 2 semaines, c'est tout petit. Mais je suis sûre que ça suffit, c'est combien de millilitres? 5 millilitres? Franchement ça peut faire les 2 semaines hein, en crème de jour. Oh, trop bien. Et ensuite j'ai pris 2 crèmes différentes. Une crème plutôt fluide pour quand ma peau est plutôt mixte avec des imperfections, à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera de la marque Urtekram. Tu sais que j'aime beaucoup les dentifrices de Urtekram, j'en parle tout le temps. Voilà, ça a l'air très très cool en pompe, enfin vraiment parfait comme produit. Je suis déjà fan avant même de l'avoir essayé. Et ensuite une crème riche de Nominoé, filtre parfait pour le visage, crème riche hydratante à la criste marine et à la jonque. Pour les moments où ma peau est plutôt sèche, parce que vraiment ma peau, elle fait les différentes étapes quoi. Elle est sèche, parfois elle est normale, genre comme maintenant, elle est genre... tranquille, et parfois elle a des imperfections, donc je prends un peu de tout. Je n'ai pas encore trouvé genre pile poil ce dont j'ai besoin, donc pour l'instant je, tu vois, je prends un peu de tout. Et le tout pour 150 €, voilà, ça fait plaisir, vraiment ça fait très plaisir. On est sur de la beauté extrêmement qualitative, je suis trop contente. Bon et ben je vais retourner écrire et puis je te retrouve pour les étapes d'après. Je crois qu'il y a déjà presque 1 heure qui a passé, mais avant d'enlever les patchs pour les yeux, je vais mettre par dessus un masque pour le visage, parce que comme ça le produit qui est un peu plus agressif pour le visage ne touche pas mon contour des yeux. Donc là j'ai pris un masque que j'ai acheté il y a plus d'un an à Primark quand je suis allée à Madrid. Je suis allée à Madrid pour la dernière fois en janvier dernier pour la tempête de neige, je sais pas si tu te rappelles ce vlog, je te le mets en barre d'infos dans Watch Next. Du coup c'est un masque hydratant à l'acide hyaluronique. Je sais pas si t'as compris, je suis une fan de l'acide hyaluronique. Pour en mettre de façon efficace, il faut te mouiller le visage avant. Je sais pas pourquoi, pendant un temps, tout le monde m'a offert des brumes pour le visage. Donc du coup, je l'utilise pour me mouiller le visage avant de mettre n'importe quel produit avec de l'acide hyaluronique. Parce que comme ça, l'hydratation rentre dans la peau grâce à l'acide hyaluronique, plutôt que d'être extirpée de ta peau. Pour décupler les effets de l'acide hyaluronique, il faut vraiment hydrater la peau avant avec de l'eau de rose, enfin voilà, n'importe quoi. Alors, je m'en remets jamais de la tronche que t'as avec ces masques quoi. Ok, je vais me rapprocher de l'objectif. Et voilà, je peux plus bouger les lèvres. Je reviens dans 15 minutes. Je vais me faire un smoothie. C'est 15 minutes? Qu'est-ce qu'il dit? 15-20 minutes. Oui, bon, ça va être 15 minutes. Ah, il y a de l'acide hyaluronique partout. Ah, ça fait du bien. Oh. Si frais. Il y a beaucoup de gens qui passent aux escaliers là. Je laisse poser le temps que ça sèche. Tu vois, j'ai encore la peau. Voilà, genre il faut que ça sèche encore un petit peu. Ce que j'utilise pour faire rentrer le produit, c'est ça, le Jade Roller. Alors, je m'en servais, disclaimer, je m'en servais avant que ce soit la mode. J'ai été formée en lifting chinois où on utilise ça. Ça s'appelle à la base un Ridoki et ça a des pics. Et il y a la version plus douce qui est le Jade Roller. J'ai appris à m'en servir, tout comme j'ai appris à me servir de gua sha, de ventouse pour le visage, tout ça, avant que ce soit la mode. C'était il y a 4 ans que j'ai fait la spécialisation lifting. Donc je sais très bien m'en servir et je sais pas si c'est une bonne idée que ce soit grave à la mode comme ça, parce que
ce serait quand même bien d'apprendre à s'en servir et de faire les bons gestes, quoi. Je sais pas. Non, mais ceci dit, c'est cool, hein. Ça permet de relâcher les tensions, ça permet de mieux faire pénétrer les produits, ça permet de tirer le visage vers le haut. Tant que tu fais des mouvements vers l'extérieur et vers le haut, voilà. L'idée, ne pas faire des mouvements vers l'intérieur du visage et ne pas faire des mouvements vers le bas. Voilà, c'est tout. Et tu montes comme ça et tu essaies de suivre les tensions et d'intégrer le produit à la peau. Nice. Et moi, j'en ai un petit embout pour les yeux aussi. Comme ça, juste ici. Si satisfaisant, j'adore. Le retour me sert de miroir. Hein. Si je te regarde pas directement, c'est parce que je vérifie que je fais les choses bien. Oh, magnifique. Faut que je change la batterie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Là, on arrive dans ma routine un petit peu plus quotidienne, des choses que je fais tous les jours. Je commence par me nettoyer le visage avec de l'eau de rose. L'eau de rose de la marque Saint-Hilaire que je trouve à Biocop à Poitiers. Et je l'utilise pour me nettoyer un petit peu le visage. Là, c'est vraiment juste histoire de te montrer. Je vais principalement nettoyer mes yeux. Et puis, voilà, le nez autour de la bouche, derrière les oreilles. Quand j'ai pas mis des soins avant, je fais ça un peu plus, tu vois, mais... Et qui se souvient de ces cotons? Qui était là quand je faisais mes cotons et que je les vendais sur ma boutique? Le site loupche.fr existe parce que je me suis lancée dans une boutique de création en ligne pendant quelques mois. Voilà, tu sais tout. Et ce site va donc être réutilisé pour la vente de ma formation. Donc trop bien, j'adore l'idée de recycler ma boutique. Ça passe de création de petits cotons et coussins de lavande à formation en ligne pour mieux s'organiser. Mon smoothie, même jarre, mais un smoothie dedans hyper protéiné avec de la spiruline, des probiotiques. Ensuite j'utilise le sérum illuminateur de La Canopée, qui est donc à base de rose de damas, d'acide hyaluronique et de mica. Donc c'est là que I'm gonna spill the tea. Là il y a 15 ml et il coûte dans mes souvenirs entre 20 et 30 euros. Et là il y a 50 ml et il coûte 9 euros. Donc oui, il a des paillettes, il a d'autres agents actifs, La Canopée, c'est génial pour beaucoup de choses. J'adore La Canopée pour beaucoup de choses, mais là c'est abusé. Voilà, qu'on se le dise, ça ne vaut pas son prix. Non vraiment, c'est super luxueux et tout, mais en fait, ça m'a duré, j'utilise que 4 gouttes par jour, ça m'a duré un peu plus d'un mois. Je paye pas entre 25 et 30 euros, bon là c'était un cadeau hein, de Green Meo qui me l'a offert pour que j'en parle dans le cadre d'un partenariat, j'ai super longtemps, etc., etc. Il n'empêche que 25 euros pour un sérum qui te dure un mois, non. Et puis c'est pas comme si je m'étais tartiné de la face avec. Bref, il fait bien son taf, hein. Juste il vaut pas son prix, c'est tout. Quand Clémence et Vivien en fait un 9 euros, excusez-moi, mais voilà. Oh. Ah. Visage mouillé, parce que acide hyaluronique. Hop, je prends mes 4 gouttes. 1, 2, 3, 4. Il a des petites paillettes dedans, c'est joli comme tout. Et toujours des mouvements vers l'extérieur. T'as vu comme ma peau rougit au moindre contact? Heureusement ça dure pas longtemps, mais elle est quand même assez sensible au changement de température, au frottement, je rougis vite. Ensuite j'utilise cette crème fluide parfaite de La Canopée à l'arbre à thé, bergamote et argile rose. Elle est franchement bien. J'aime beaucoup le packaging de La Canopée où en fait quand tu appuies sur la pompe, c'est ça qui monte. Et donc progressivement le produit monte, 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 monte. Je trouve ça super chouette. Donc ça se vide mais dans ce sens là. Et du coup tu peux te faire une idée un peu plus facilement d'où est-ce que t'en es. Et je trouve que c'est une idée de packaging qui te permet de pas gâcher du produit quoi. Une pompe ça suffit largement pour tout le visage. Ce que tu vas voir petit à petit quand on l'applique, elle commence à blanchir en fait. Et franchement elle a un petit défaut pour moi. C'est qu'elle met du temps à être bue par ma peau en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? À quel point elle blanchit. Et du coup faut vraiment prendre le temps. Genre là j'ai mis une pompe entière, d'habitude quand j'ai pas le temps je mets une demi-pompe parce que sinon ça met un temps fou quoi. Ensuite l'étape que je ne fais pas souvent au quotidien c'est le contour des yeux. Donc là j'ai un pulpe de vie, soins yeux lumière anti-fatigue, Bright il s'appelle. Il est bien, c'est pas le meilleur contour des yeux que j'ai eu, j'en mets très très peu. J'ai vu un jour il y a des années dans une vidéo YouTube qu'il fallait utiliser l'annulaire pour le contour des yeux parce que c'était celui qui avait le moins de petits, tu sais, de petits reliefs sur la pulpe des doigts, donc du coup ça permettait de moins abîmer le contour des yeux.
Donc j'y vais extrêmement doucement comme tu vois. Et j'en mets un peu sur mes paupières aussi. C'est presque fini, il manque plus que le gel solaire et un petit peu de baume à lèvres. Et après c'est bon. J'utilise le gel solaire transparent de UV Bio SPF 30. Qui a l'énorme avantage d'être un gel transparent. Mais Green Meo ne le fait plus. En tout cas il était plus en vente là. Je suppose qu'elles le vendent qu'en été. Donc si tu as un bon gel solaire transparent, je suis preneuse. Franchement, je veux bien que tu me donnes des références parce que il me faut un nouveau gel solaire. Et vraiment, la crème solaire, en fait, j'ai pas le time d'avoir un fini blanc. Donc en fait, je veux pas avoir un fini blanc. Je peux pouvoir sortir avec ma crème solaire sans la camoufler avec du maquillage. Ou sans passer un temps fou à la camoufler avec du fond de teint. Donc si tu pouvais me donner une bonne référence de gel solaire transparent, je prends. Et voilà, je brille de mille feux parce que effectivement ce gel est très très gras. Et on finit avec un petit peu de baume à lèvres. Ici c'est du 100% beurre de karité dans un petit pot comme ça que m'a offert la mère de Léo pour Noël. Donc je le prends quand j'ai des ongles, je le prends avec mon ongle. Hop là, comme ça. Je l'ai sur la pointe de mon ongle et je l'applique. Après. Voilà. Et voilà, je suis parée. Par-dessus ça, je vais faire un maquillage minimaliste. Et je te retrouve ce soir pour enlever le maquillage. Que tu vois comment je me démaquille et qu'est-ce que je mets sur ma face le soir. J'espère que je vais pas rentrer à 3h du matin. De toute façon, je m'engage à terminer cette vidéo et à te montrer ce que je fais. Ouais, je pense que je tiens un style là. 9h du matin. Non, il est 2h du matin. J'espère que je vais dormir après 9h du matin. Alors, qu'est-ce que je fais pour me démaquiller? Je prends... Je prends un coton jetable. Je ne me maquille pas souvent, donc c'est pas grave. Je prends un mouchoir. Et je prends cette huile démaquillante de Clément Sauvignon. Clairement, on se cache plus rien. Je sors de la douche. J'ai mis ma gouttière. Faut que j'enlève mes lentilles. Attends, donc j'enlève la vue du miroir. Franchement, ah oui, si t'aimes pas avoir des doigts dans les yeux, regarde pas ce moment. Voilà, magnifique. Donc je ne te vois plus, hein, si je dois me mettre comme ça pour te voir. À partir de là, je suis complètement floue, je ne vois rien. Alors là, c'est la caméra qui est floue, on est d'accord. C'est pas moi. Je me suis nettoyé le visage avec la gelée noire nettoyante qui est presque finie de la Canopée, qui était très très bien. Mais pas aussi bien que mon nettoyant préféré que je commence après, qui est donc la gelée fraîche nettoyante de Akane, qui est absolument divine. Et je n'ai pas testé ce nouvel emballage. Là clairement j'en ai pour 2 ans facile, hein. Vraiment c'est un truc de ouf. On voit clairement que je vais avoir mes règles, hein. On le voit. Je me vaporise à l'eau de rose. On est donc sur un triple nettoyage de la peau. En tout cas double avec l'huile et la gelée nettoyante. Et je rajoute l'eau de rose par dessus. Et je t'amène dans ma chambre pour la suite. Non, c'est pas ce que tu penses, ça sonnait bizarre. Il est 2h30 du matin. Tu m'excuses, hein. Encore une fois, je sais pas si je suis floue ou pas vu que j'ai pas mes lunettes. Mais ça va très vite. Je me mets de la crème pour les mains. Je mets cette crème à la lavande de Urter Cream que j'ai trouvée sur Green Meo, qui est absolument divine. Pour les lèvres, en ce moment, j'utilise le Self Love Butter de Climity Jane, qui est excellent pour absolument tout, mais pour l'instant, j'utilise pour mes lèvres pour l'hiver, vu que j'avais plus d'huile de Zao pour recharger. Et il est trop bien parce qu'il a vraiment pas un goût désagréable, au contraire. Des mains propres et jamais le même doigt. Donc là, j'ai mis celui-ci. Donc maintenant, je mets celui-ci qui est tout propre. Hop là. Et vraiment, je me tartine. Et ensuite, eh bien, nous avons l'huile Oden que j'ai déballée tout à l'heure avec toi. En attendant de la recevoir, entre mes deux huiles Oden, j'utilisais l'élixir de beauté de Pulpe de Vie, qui est une huile aussi, mais cheveux, visage, corps, qui est très bien. Je la mets d'ailleurs sur mes pointes le soir quand je me fais une tresse. Et on va tester cette huile de pomme. Trop bien. 3 gouttes suffisent, hein. Vraiment l'huile de Mirabelle elle m'a duré plus de 6 mois. Allez, on en met 4. 5. 5 parce que mon visage est un peu sec.
Mmh. Oh là là, ça sent tellement bon. Eh bien, il est temps avec cette tronche de te souhaiter une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vais faire une très très courte conclusion. Je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine. Ma gouttière et moi, on t'embrasse.